Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment générer un fichier FEC provisoire depuis cette génération expert. Dans une vidéo précédente, nous avons vu ensemble comment générer un fichier FEC sur un exercice complet, à savoir la génération du fichier jusqu'à la date de fin de l'exercice. Lors d'un contrôle fiscal, il est important de savoir que l'administration est en droit de demander un fichier FEC sur une période définie d'un exercice en cours, c'est-à-dire un exercice non clôturé. Pour cela, la procédure est identique à la génération d'un fichier FEC sur un exercice complet, c'est-à-dire ouvrir la production comptable depuis la tuile comptabilité, sélectionner l'exercice concerné par la génération du fichier et il faudra se positionner sur la fin de période souhaitée depuis la colonne période. Donc, par exemple, si je souhaite générer un fichier FEC provisoire qui va du 1er janvier au 30 avril, il faudra simplement se positionner sur le mois d'avril et passer par le menu Exercice, Génération du fichier FEC des écritures comptables pour l'administration fiscale. Là, on obtiendra un message qui apparaîtra pour nous rappeler que l'action est irréversible, c'est-à-dire qu'une fois que nous aurons répondu oui à la question, toutes les écritures qui seront présentes dans le fichier FEC ne pourront ni être modifiées ni être supprimées. À la validation du message en répondant oui, il vous faudra renseigner si le dossier est tenu en mode recette-dépense. Si oui, alors une liste de règlements apparaîtra où il vous faudra renseigner le mode de règlement. Une fois le mode renseigné, répondre OK. Si la réponse est non, alors le fichier sera directement généré. Donc le fichier, vous pourrez le retrouver directement dans les documents de votre dossier concerné. Et le nom du fichier sera suivi du mot provisoire. Donc cela indiquera que c'est un fichier FEC qui a été généré sur un exercice non clôturé, donc de type provisoire. Et un dernier rappel, dès lors que le fichier est généré, il est important de ne pas modifier et ou de renommer le fichier FEC que Génération Expert aura généré. Et n'oubliez pas d'accéder à la base de connaissances où vous retrouverez toutes les fiches concernant le fichier FEC en saisissant le mot FEC dans la barre de recherche.